On démarre, solidaire d'abord. Aujourd'hui, on est quatre autour de la table. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, on, on a... Presque un expert hein, aujourd'hui, euh, Dominique, tu es venu nous parler de d'ADPI, donc on aura un sujet sur ADPI euh, particulièrement. Alors évidemment, on a plein de sujets à discuter. Hein, à de à Aéroport de Paris. de Paris. Euh, évidemment, on a plein de sujets. On a entre autres les élections municipales, on a les manifs qui se sont passés euh, récemment, hein, euh, on, on, a, euh, on a le, le coronavirus qui nous, prend les, qui nous fout les boules hein, à tous. Enfin bon, bah, bref, il hein, y, <laughs> y, y a plein de choses, donc on n'en parlera pas trop peut-être. Alors la, le premier sujet, euh, jean Louis, toi, tu voulais nous parler de l'allemand et de, du fait qu'on a un préfet de Paris euh, qui, qui, est, qui est complètement fada et qui fait des trucs euh, qui débordent, quoi. De façon, complètement. T'es pas fasciste, en face du micro, hein, fait C'est vraiment, euh, vraiment des choses euh, qu'on trouverait normales, entre guillemets, ou habituelles dans des régimes fascistes, etc. Il, a do, il donne des ordres à ses troupes, c'est-à-dire la gendarmerie, les commandes de gendarmerie. Les CRS donnent des ordres illégaux du point de vue des pratiques par rapport aux manifestants. Et le, le, dernier, le dernier truc qui risque de faire. Comment dire De, de faire euh, gros, c'est la re, euh, réactivation des braves, c'est-à-dire des, des motos, des motos qui attaquent les manifestants de près comme ça. Alors sur ces motos, en plus, ils, ils mettent des. Des gamins, enfin des gamins des jeunes assez forts qui viennent d'être embauchés, et ça, attrape, et ça attrape, etc. On a vu les premiers les premiers effets il y a maintenant quelques mois hein, déjà. Mmh. C'est qu'il y a, y a un rebondissement. D'abord, ça exacerbe la colère des manifestants d'être comme ça agressés pour rien pour quand ils, ils diffusent normalement. Et ensuite, on ne sait pas sur quoi ça va déboucher. Du point de vue politique, Politique pure, politique de l'intérieur, grosso modo. C'est nul de chez nul. Hein. Il, y a, il y a certains commandants qui donnent des sons. Il dit Mais celui qui a commandé ça, c'est soit, hein, soit un con, soit un âne. Il dit Soit un âne. Il ne connaît rien à la. C'est ça que. De plus en plus, avec ce, ce préfet qui est maintenant, il a, il a plus d'un plus, plus an, plus d'un de ce Il a été embauché parce qu'il avait réprimé en... à Bordeaux. À Bordeaux, voilà des, des euh, manifestants féministes hein, réprimés alors brutalement hop la, la, notre ministre Castaner a vu ça et dit il nous faut ça aborder et, il est venu à Paris comme ça tout hein. alors depuis il, il casse est sans arrêt avec son non pas un képi ou un truc comme ça mais euh, oui, oui. un grand tréhaut, là etc et, un ils sortent, à pointe. presque un presque à pointe, presque à pointe, ah, oui. Oui. <laughs> mais là euh, Bon, je veux dire par là, sur le plan euh, purement politique, je prends sur le plan politique, c'est vraiment de le maintenir. Je pense que le président, s'il voyait ses intérêts, il aurait intér intérêt à dire à Castaner, attendez, mettez, mettez ce, ce gars-là un peu de côté, ça ne va pas. Il est en train de monter les populations, étant donné des pratiques qu'il couvre et qu'il ordonne. À nos troupes qui sont les CRS et les compagnies de oui, sécurité Si tu veux, on reste sur le truc. Euh, bah, c'est les gilets jaunes qui ont été violents. Euh, maintenant, euh, on, on nous explique que vraiment, quand même, il faut, il faut à tout prix accepter cette réforme parce que c'est une réforme qui va dans oui. le bon sens pour tout le monde. Enfin, etc. Enfin, ils sont dans un truc, ils sont euh, sur un petit nuage. Ils, ils, ils se rendent absolument plus compte oui, de la réalité. Justement, hein. actuellement, il y a les gens qui regardent quand même les télés, les machins comme ça, qui. qui quand tu vois un certain nombre de choses, j'ai regardé les, les dernières manifestations, le, donc il n'y a même pas deux jours, là, les, euh, les répressions sur les manifestations féministes dans, à Paris. Dans, dans le métro, là, par exemple. Dans le métro, ouais. à côté du métro, etc. Ouais. C'est dingue de chez dingue. Ouais. En fait, c'était en train de, de se finir quand, hop! L'ordre a été donné et non, ils sont connus. Est-ce qu'il n'y a pas une stratégie aussi oui. de vouloir empêcher les gens d'aller au manif Parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup de gens qui aujourd'hui disent qu'ils ne vont plus au manif parce qu'ils ont peur d'y aller. Oui, Donc oui. je pense qu'il y a derrière ça quand même une stratégie, euh, ça, bon, qui n'est pas affichée bien sûr, mais qui est d'empêcher de, 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 les gens d'aller au manif. Et ça marche, et ça et depuis, marche. Depuis le début, c'est vrai ça. Mais je veux dire actuellement avec ceux que sont obligés de faire un certain nombre d'autorités, ça risque de, ça risque, hein, je me place du point de vue de Macron. Ça risque de retourner les populations beaucoup plus qu'on ne le ferait. Ah, voilà. C'est tu sais à quoi ça me fait penser. Ça me fait penser à, à météo réel et météo ressenti. Ouais. La météo ressenti, bon, tu vois ce que je veux dire Ben là, maintenant, ouais. on, on, est, on est, dans un ressenti d'un gouvernement euh, tellement caricatural que Avec la publication on... de ce qui a été extrait euh, d'un ce, certain nombre de communications entre des, les plus grandes autorités de la gendarmerie, des CRS, etc., à mon avis, ça devrait faire boum là. C'est sorti le papier Médiapart, l'économie vient de sortir. Mmh. La façon dont c'est. Hein, oui. bon, J'entends bien, est-ce que les grands médias, est-ce que les grands médias aujourd'hui s'approprient cette problématique alors je vous signale ouais. qu'on a d'autres sujets, hein. Alors, donc ouais, on, ouais. On, on va, on va glisser, hein. Parce que donc, euh, oui, euh, moi je disais, euh, on, on a, on a un ressenti au moins d'un gouvernement autoritaire, pour bon, ah bah pas oui. dire plus, hein, oui, pour pas sûr. dire plus. Euh, ouais, euh, juste un tout petit, euh, tout petit point sur la pollution. Euh, les entreprises Bayer, BASF, saint euh, Cortenas, FMC euh, sont en train de vendre tous les stocks qu'ils ne peuvent pas écouler en Europe et en Amérique parce que c'est des stocks qui sont euh, les stocks de, de pesticides, de fongicides, de tout ce que vous voulez, hein, qui sont euh, trop graves, qui atteignent la santé publique. Bah, ils les vendent dans les, dans les pays sous-développés ou émergents. Oui, Et alors, ça te faisait penser à quelque chose. C'est une politique qui a été appliqué depuis longtemps, ça. Ah, ça te faisait penser au chlordécone, hein, c'est ça Chlordécone, entre autres, chlordécone. Mais enfin, ça, c'est un scandale bien français, puisque c'est quand même les, nos îles de l'autre côté, là-bas. C'est un scandale bien français. Mais. Pour le reste, c'est pareil. On a découvert que, bon, pas seulement le, le DDT de base et compagnie, mais un certain nombre de, de pesticides sont vendus à travers le monde entier, à des pays qui veulent bien les acheter. Quand le ministère d'un pays accepte ça, il le donne. Il le donne alors, on fait un petit point sur les élections, puisque donc il y a les élections municipales qui vont avoir lieu assez simplement sous peu, hein, et on voit que euh, presque partout les larmes la ne s'affichent pas. Et alors ils sont déguisés, ils sont alors ils sont par exemple à Aubenas, il y a six listes. On suppose que il y en a dans quatre listes. Donc, accrochez-vous bien. Hein. Alors, vous chercherez hein, dans quelle liste on, on suppose, mais enfin, on en a, a parlé un petit peu avant. Et alors, euh, on se disait, oui, mais attention, euh, des, des élections comme ça, on nous explique tout le temps que c'est des élections locales, mais ce sont des grands électeurs, après, euh, ces gens-là. Hein. Et donc, quand ils sont grands électeurs, ils vont, ils vont élire le Sénat. Sénat qui, à l'heure actuelle, même si je ne suis pas d'accord avec plein de choses que dit le Sénat, est un des rares endroits où il y a un petit peu un contre-pouvoir de la Macronie. Donc, euh, après, quand ils seront, ils seront arrivés à s'infiltrer comme ça en douce, euh, ces grands électeurs, ils voteront pour un Sénat. Euh... Et puis, il y a aussi des, des grands électeurs locaux pour les communautés de communes. Oui, ça c'était. Donc là aussi, euh, même, opacité, hein. ouais. même opacité. Même opacité, même opacité. <laughs> même résultat opaque aussi. Alors, on a un, un grand sujet aujourd'hui, c'est l'ADP. Alors, juste, je voudrais introduire ce sujet-là avec, en fait, un monsieur qui s'appelle Olivier Delorme, qui, a fait, qui est un, un historien, économiste. Il a fait, donc, de l'histoire de l'économie. Entre autres, il a sorti un, un, un livre qui s'appelle « 30 bonnes raisons pour sortir de l'Union européenne ». Et il a sorti, en même temps, des livres sur l'histoire de la Grèce. Et alors, ce monsieur, il, il, il se revendique d'être proche de Sapir, de Coralie Delhomme, qui était venue chez nous pour, euh, par rapport à ADP, euh, elle, était, elle était venue à la bobine hein, euh, l'an dernier, euh, Coralie Delhomme, qui est une pointure, hein, qui est vraiment quelqu'un de très intéressant. Frédéric Farah, euh, il fait référence à Emmanuel Todd, évidemment, aux économistes atterrés, Daniel Kaila et Henri Sterdéniac, évidemment, tous ces gens-là qui sont, qui sont des pointures, qui sont des, des experts, mais qui ne sont jamais invités dans les grands médias. Quoi. Et donc euh, euh, tous ces gens-là ont une, une façon de faire une analyse de l'Union de, de européenne qui montre que à Partir du moment où notre économie s'est branchée sur l'euro, on s'est retrouvé avec tous les pays du sud pour faire, pour faire court qui sont, qui sont surévalués à cause de l'euro euh, à de 10 à 30%. Pour, pour, la, pour la Grèce, c'est jusqu'à 30%. Et, et toutes les économies du nord sont sous-évaluées. Pour l'Allemagne, c'est 25%. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire en parlant de surévaluer, sous évalué Peut-être ça vous prend le chou, mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que par exemple, nous, ce que l'on vend à l'extérieur, on le

plus cher que le, son prix réel. Les, les Grecs, ils le vendent 30% plus cher que leur prix réel. Donc les Grecs ne vendent plus rien à l'export. Hein. C'est clair. Ils ne peuvent plus que importer. Et nous, ça, évidemment, ça a des conséquences sur euh, notre industrie. Et euh, les Allemands, eux, par contre, alors ils ont un problème même avec Trump, puisqu'ils euh, vendent leurs leur voitures 20%, 25%, moins cher que les autres pays. Grâce au fait que, eux, euh, non seulement ils ont pillé toute l'Europe, mais en plus, à l'export et donc Trump en ce moment est en train de se fâcher après eux parce que euh, bah, il n'est pas d'accord avec le fait qu'il n'y a pas une concurrence libre et non faussée donc euh, voilà. Alors, euh, pourquoi je parle de ça ben Parce qu'à partir du moment où notre, notre économie est impactée de cette manière-là par, par euh, l'Union européenne, euh, on, on se retrouve à, à, à être obligé de faire des économies de bout de chandelle. Alors, on fait des économies sur les services publics, on fait des économies sur les allocations chômage, sur la réforme de la retraite, on voit bien ce qui est en train de se passer, euh, la, la façon dont ça se passe, sur la santé, etc. Et tout ça, ça a été programmé par cette Europe, cette Europe qui... Jean-Claude, plusieurs fois, euh, nous a rappelé ça en nous parlant de Jean Monnet ou de, en parlant de. Euh, comment il s'appelle déjà euh, Schuman, Schumann, hein, ouais. qui, qui sont à l'origine de la création de cette Europe. Cette Europe, depuis le départ, c'est en fait un, un cheval de Troie du libéralisme et c'est ça fait partie et de la de guerre froide. Euh, libéralisme voilà. américain. Et ça fait partie Dans de la le guerre cadre froide. De la... De la guerre froide au départ. Voilà, c'est ça, oui. et, et après, dans le cadre de la mondialisation, etc. Quoi. Alors, et quel, rapport, quel rapport avec ADP, tout ça Eh ben, c'est tout ça, c'est un système. Il ne faut pas, faut pas le, le prendre autrement. Et donc, dans ce système, baisser les dépenses publiques, donc ce que, tout ce que je disais à l'instant, et évidemment, vendre les bijoux de famille. Vendre les bijoux de famille, ben, par exemple, c'est ADP. C'est ADP. Et ADP, ADP c'est notre patrimoine. Hein, c'est le patrimoine de la France. C'est un patrimoine qui représente euh, quand même, donc lors de la vente estimé à 10 millions d'euros, mais qui, euh, derrière ça, on retrouve quand même 6686 hectares en région parisienne. Donc, sur ces 6686 hectares, 1310 hectares sont, peuvent être affectés à des activités immobilières. Donc, on voit qu'il y a donc une manne financière et des projets éventuels de, 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 de possibilités au niveau immobilier qui sont très, très conséquents. Et ce qui est paradoxal par rapport à ce qu'a dit Michel, c'est qu'en en fait, on va vendre des, des, des entreprises qui, qui sont profitables. Elles sont profitables. à ADP, euh, en termes de dividendes, c'est 200 millions d'euros par an que ça nous rapporte. Donc, on va vendre quelque part. Euh, des entreprises qui sont très profitables comme ça a été le cas par ailleurs hein, par le passé. Ouais, mais 200 millions d'euros cette année ou, ou 8 milliards tout de suite c'est pas pareil. Ah c'est pas pareil c'est pas pareil mais on joue qu'une fois. Pas pour les mêmes. On, <laughs> on avait fait fois. comme ça avec les autoroutes. Hein. On avait fait comme Alors. ça avec les autoroutes. Alors effectivement ça c'est l'intention de Nicolas Sarkozy et c'est pour ça qu'effectivement le Parlement c'est opposé en euh, déclenchant en fait le euh, référendum d'initiative partagée, le fameux RIP, donc euh, au début de l'année la, de dernière, début 2019, hein, donc un référendum qui a commencé le 13 juin 2019 et qui se finit donc le 13 mars, c'est-à-dire vendredi, donc c'est la, la fin en fait de ce référendum. Initiative partagée qui aujourd'hui a recueilli plus d'un million hein, de signataires, de presque 1,2 million, je pense qu'on va on atterrir. Donc, euh, et, ce qui est remarquable quand même, c'est que ce 1,2 million de signatures a été obtenu sans aucune publicité de ah bon, l'État. Personne n'en parle. Hein. Voilà. <laughs> et en fait, c'est grâce au collectif, hein, et ça, faut, je crois qu'il faut le souligner à euh, cette antenne, c'est les collectifs à travers toute la France hein, qui se sont mobilisés. Donc, collectif pour le donc le, le référendum ADP, c'est des citoyens, hein, c'est des partis politiques, c'est des associations, c'est les gilets jaunes, c'est des individus En fait, qui se sont mobilisés, qui ont fait les marchés, qui ont fait signer les gens. Et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui on a dépassé le million de, 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 de signatures. Alors, ce qui est important dans ce million de signatures, vous me direz, on n'est pas à 4,7 millions comme le demande en fait la Constitution, hein, ce fameux, cette fameuse loi hein, d'initiative partagée. On n'est pas aux 4,7 millions, mais on a dépassé le 1 million. Et pour ceux euh, qui se souviennent, hein, un certain Emmanuel Macron a hein, dit qu'il était favorable à revoir la Constitution dans cette confi de cette refonte de la Constitution, il verrait bien, en fait, des référendums, hein, mais des référendums à un million de voix. Donc là, aujourd'hui, chiche, Monsieur le Président, nous avons un million de voix, donc on va vers le référendum. Il ne dépend plus que de vous voilà cette histoire de 1 million de voix tu le disais dominique quand on préparait tout à l'heure alors on ne sait pas exactement au moins pour le moins il y a le fait que les logiciels qui ont permis de de comment dire de compter toutes ces signatures pour le moins ils sont mal fichus donc, pour ne pas, pas dire plus, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est sciemment qu'ils sont mal fichus, mais en tout cas, pour comptabiliser. Et tous les gens qui ont essayé de faire voter des gens, hein, on, on en fait partie, euh, se sont retrouvés face à un truc, ça fait quand même un peu. Des euh... oui. informaticiens, d'ailleurs, on dit, pour une start-up nation hein, qui, se, qui se vante d'informatique, on se trouve là face à un logiciel qui date des années du siècle dernier, hein, puisque les champs euh, qu'il faut référencer hein, vous sortent. Hein, si vous ne donnez pas exactement la bonne information, alors qu'il a des possibilités en fait, de faire des logiciels qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus simples pour, pour les gens. Et donc, sciemment, là, on voit qu'il y a effectivement eu des choses qui se sont passées, qui n'ont pas permis aux gens de se faire euh, recenser. Et d'autre part, le processus de validation en fait, des, ben, des, des soutiens en fait, à ce référendum n'a pas a été communiqué. Donc, on ne sait pas hein, ce qui permet de valider en fait, ces voix. Donc, voilà, ça, c'est. Dans le cadre de la privatisation, mais il y a un élément quand même hein, qui, qui pourrait remettre en cause cette privatisation. Hein, euh, le scandale qui pourrait remettre en cause la privatisation d'ADP, c'est donc le média en fait qui a euh, sorti un article très intéressant hein, qui est écrit par Marc Endeveld, qui est journaliste aux médias, journaliste-reporter, hein, et qui nous parle en fait de, euh, bah, de ADPI. Alors, <coughs> qu'est-ce qu'ADPI ADPI, en fait, c'est une filiale à 100% du groupe ADP. ADPI, c'est ADP Engineering. Euh, donc, on a une ingénierie, là, euh, au niveau d'ADP, qui, qui est très performante en termes euh, d'experts aéroportuaires hein, pour construire les aéroports, les modifier, gérer, en fait, les vues d'avion, etc. Cette ingénierie, donc, est tellement performante qu'elle ben, se retrouve quand même dans 20 pays différents. Donc, c'est une, une industrie euh, à part entière qui est adossée, donc, au groupe ADP. Le problème, alors, euh, le problème, en fait, de, 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 de cette euh, ingénierie, c'est qu'elle fait l'objet, en fait, d'une enquête préliminaire qui est conduite par le Parquet national financier. Donc, euh, enquête ouverte en 2016. Donc, ça fait trois ans mmh. que cette enquête est ouverte. Hein, alors que, bon, c'est un certain nombre d'éléments. Mais il n'y a, a toujours pas d'information judiciaire hein, euh, qui est, elle... Euh, qui est ouverte, donc euh, pour l'instant on reste dans le cadre d'une enquête préliminaire D'après toi, qu'est-ce qui bloque <laughs> euh, On pourrait dire que comme il s'agit euh, de liens avec la Libye, hein, de construction ouais. sur et là je vais le, je vais le développer mais avec la Libye, euh, on peut supposer que certains présidents antérieurs euh, seraient remis en cause ouais. et ça remettrait non seulement en cause ces présidents, mais également en fait ce qui est important en fait dans le développement hein, de, 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 de cette ingénierie d'API, c'est qu'en fait pour vendre euh, ADP il ne faudrait pas que cette enquête soit ouverte, sinon euh, ben, ça rendrait ça la vente très difficile. Ça part. pourrait remettre en question. Voilà, hein. ça pourrait remettre en question la, la vente, d'une part. D'autre part, il faut savoir que ben, euh, des <coughs> entreprises du BTP euh, canadien, qui ont travaillé pour la Libye, hein, ont, été, ont fait l'objet de poursuites judiciaires pour corruption. Et euh, Justin Trudeau, en 2019, a été fortement euh, inquiété. Par cette affaire libyenne, hein, euh, et la société du BTP en question a vu son cours de bourse chuter de façon très importante. Donc on voit que dans le cadre d'une vente, en fait, hein, de, du groupe ADP forcément on vendrait à des pays et ça aurait des conséquences qui seraient très importantes en fait sur la... Voilà. Leur... Là si tu parles de, de chute du cours de la bourse alors là évidemment ça devient tout de suite... C'est si. quelque chose voilà. d'important. Hein. Tout à fait. <laughs> alors, euh, qu'est-ce qui est en cause en fait dans, 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 dans cet ADPI En fait, donc c'est... Ce qui s'est passé, hein, c'est que des contrats qui ont été passés à l'étranger avant et juste après l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007 et notamment en Libye. Alors 2007, effectivement, c'était le grand amour, hein, euh, Mouhamad Kadhafi et euh, Nicolas Sarkozy. Hein, Avec Kadhafi à... qui était peut-être euh, financeur un peu de, de la campagne de Sarkozy. Hein. Peut-être, bah, peut-être, bah, peut-être. Bah, peut bah, Alors pour l'instant, bah, il n'y a, a, euh, a aucun lien qui a démontré. est démontré. Ouais. Ça serait effectivement très intéressant qu'une information judiciaire soit ouverte. Ça permettrait de lever tous les soupçons oui. hein, qu'il pourrait y avoir et sur y a, ce genre toujours de... toujours l'éternel problème des rétro-commissions. Alors, mmh. voilà. Qu'on connaît, il y a déjà eu une affaire baladure, euh, voilà. mmh. c'était au Pakistan avec des sous-marins. Hein. Mmh. C'est toujours un peu sous-marin Oui, même. oui, ah. oui. <laughs> C'est toujours sous-jacent. Ouais. Alors, euh, en fait, euh, Mark Andelwell s'est appuyé sur un rapport d'audit hein, qu'il a pu avoir, un audit qui a été commandé par les autorités libyennes hein, à une société américaine concurrente d'ADPI. Donc, en fait, il a déroulé un certain nombre de, de, de pratiques hein, qui ont eu lieu lors de passage des contrats. C'est-à-dire qu'il y a trois, trois contrats qui ont été passés, hein, pour un total voisin de 90 millions d'euros, sur trois aéroports, hein, donc Tripoli, Benghazi et Sheba. Alors, alors, donc tu sais que déjà que je vais intervenir. Alors, Sheba. Sheba, Sheba, oui, ça vous parle pas. Sheba hein. voilà. en Libye, voilà. euh, bah, en fait, c'est une toute petite bourgade. Et pourquoi construire un aéroport dans une toute petite bourgade en fait, il y va de nos grands hommes, euh, bah, qu'ils ont besoin en fait d'avoir leur aéroport personnel euh, payé ouais, ouais. par le contribuable libyen en l'occurrence. Hein, et donc, c'est là où est né euh, Muammar Kadhafi. Donc, Sheba, c'est la ville de naissance de Muammar Kadhafi. Et il était normal euh, et nécessaire que Kadhafi se construise, se fasse construire un aéroport, euh, donc euh, à sa mesure. Donc, euh, voilà trois, trois, euh, trois contrats, de qui concerne en fait la, la supervision, euh, pardon, la réalisation d'études et de design pour pour ces trois aéroports et un troisième qui concerne en fait la supervision, et la gestion des sous-traitants sur le, le chantier de Tripoli. Alors ce troisième contrat est beaucoup plus important en termes de montant financier puisqu'il faut suivre en fait les les, les, les entreprises. Et en fait, pour suivre les entreprises, en fait, à ce moment-là, euh, ADP devient maître d'œuvre, et en étant maître d'œuvre, il va toucher, toucher des pourcentages. Bon, je vais passer assez rapidement là-dessus, mais les, les pourcentages qui sont nettement plus importants que les pourcentages qui sont pratiqués dans les maîtrises d'œuvre classiques. C'est-à-dire qu'on est à des pourcentages de près de 7,5 alors que dans l'industrie classique, on, dans, dans le montage équivalent, on est aux alentours de 4 Mais alors, ça interroge quand même sur le fait que théoriquement, au départ, ADP, c'est une entreprise publique française. Que, voilà, et on sent qu'il y a des montage financier, là, c'est quand même curieux, quand même, tout ça. Voilà, voilà. alors ça veut dire qu'effectivement, euh, alors il y, a, il y a plusieurs choses. Alors, quand on parle de montage financier, alors là, il y a effectivement les dépenses hein, qui sont des surfacturations, hein, qui sont faites. Alors là, quand on parle de rétrocommission, ça veut dire quoi Ça veut dire que le gouvernement libyen accepte de payer plus cher. Donc, en conséquence de quoi euh, Il espère bien avoir un retour par des rétrocommissions. Mais, effectivement, sur les montages financiers, on va avoir en fait création de deux filiales une filiale au Libye. Donc, euh, dans lequel on va bah, trouver des copains d'un certain Sa Saadi Kadhafi, donc le troisième fils de Mohamed. Donc on voit, et puis, un contrat avec euh, le Liban. Alors pourquoi le Liban Puisque le Liban n'a rien à faire, en fait, avec... Euh... C'est Carlos Ghosn <laughs> Non, c'est parce qu'en fait, dans le Liban, il bah, y, a, y, a, y, a, y a des gens qui sont très compétents et qui ont dans le Moyen-Orient, etc., des relations, et l'Extrême-Orient, des, 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 des relations, et qui permettent, en fait... Les, ceci euh, ce dit, il est en cessation de Liban. alors cette semaine, hein, il Ce est est de piment. Ce qui est intéressant en fait dans, dans, dans ça, c'est que en fait, en acceptant de créer des filiales d'ADPI, les responsables ne pouvaient pas ne, ne pas savoir que là, on était dans le cadre de corruption. C'est-à-dire qu'en fait, on construit sciemment des filiales de toutes pièces pour faire des montages obscurs. Et donc, c'est là en fait où va intervenir l'enquête. Hein, c'est qu'on va Mettre en place des, des, des filiales pour détourner l'argent. Et ça, c'est sciemment. Et alors, euh, ce qui est important de oui. notre affaire, c'est que en 2018, euh, <coughs> ADP, le groupe ADP, a acquis Merchant de qui est une entreprise américaine. Hein, et cette entreprise américaine, donc, qui travaille dans le domaine aéroportuaire, du coup, ça ouvre la possibilité aux États-Unis de porter en justice, euh, donc, sur, sur cette affaire-là. Donc les États-Unis ont la possibilité de porter en justice, d'autant plus que le groupe ADP a comme banquier BNP Paribas, hein, qui est euh, sous les projecteurs hein, de la justice américaine. Il y a 6 milliards d'amende de, pour des Alors, problèmes de corruption ou de, 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 de rapport avec l'Iran, hein, dans le cadre mmh. du blocus. Euh... Excusez-moi, un, un dernier mot, parce qu'il nous reste, il faut, faut conclure, hein, c'est l'heure. Alors je sais pas, tu veux dire quelque chose encore de... ben, ah, je... Moi, ce que je veux dire, c'est que ce qui, est, ce qui est très très impressionnant dans tout ça, c'est qu'on utilise des entreprises françaises dont on a des salariés, qu'on ont des compétences, etc pour euh, détourner des, 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 des commissions en fait faire des rétros commissions et des, de, de la corruption et c'est proprement scandaleux et je pense que c'est pour ça qu'il est important qu'il y ait encore des pouvoirs aux salariés dans les entreprises pour que les salariés puissent mettre leur nez dans ces entreprises et dénoncer toutes ces pratiques et empêcher ces montages comme je le disais de, 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 de filiales et de choses comme ça parce que c'est absolument absolument anormal et scandaleux que, 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 que le travail des gens soient ouais. détournés à la coronavirus. Vous avez remarqué, on n'a quasiment pas parlé du coronavirus. Et, et donc, euh, on vous souhaite une bonne, une bonne soirée. Et euh, à bientôt. Et merci beaucoup, Dominique. Bientôt, merci. Et merci à Fréquences.